Bonjour, je m'appelle Étienne et je fais partie de l'équipe de Québec International. J'ai le plaisir aujourd'hui de me trouver en compagnie de Jean-François Tremblay de chez Momentum Technology. Bonjour. Danaël Collet de chez Cofomo. Allô Étienne. Allô. Et de Sonia Sanfasson du groupe CyberSoin. Allô Étienne. Bonjour. Nous serons tous les quatre à nos journées de recrutement de travailleurs en technologie de l'information à Cotonou au Bénin et à Douala au Cameroun en janvier 2024. Nous voulions prendre quelques moments aujourd'hui pour vous décrire en quelques mots ce que ces trois entreprises avaient à vous offrir et vous inviter à postuler sur les postes présentement disponibles. Jean-François, est-ce que tu peux nous parler sommairement de Momentum Technologies? Avec plaisir, Étienne. Bonjour tout le monde, je me présente Jean-François Tremblay, je suis directeur service conseil chez Momentum Technologies. J'y suis depuis 17 ans, ça fait effectivement un petit bout. Je peux vous dire qu'à l'époque, je ne pouvais pas porter cette magnifique barbe. Ceci étant dit, Momentum est une entreprise québécoise de services conseil en technologie de l'information qui œuvre depuis 20 ans dans la réalisation de systèmes performants et adaptés en fonction de notre clientèle, aux besoins de notre clientèle. Les services conseils de Momentum sont de haute qualité, favorisant le développement des compétences et de l'expertise et valorisant l'innovation dans chacun de nos solutions d'affaires que nous offrons à notre clientèle. Nos services sont très diversifiés, c'est-à-dire la conception et réalisation de systèmes d'information, l'architecture, l'administration de bases de données, de systèmes. Et donc, nous avons effectivement des postes là, dans tous ces domaines là, actuellement et c'est pourquoi on fait partie de la mission Bénin-Cameroun. Au plaisir de vous voir en 2024. Merci Jean-François. Avec plaisir. Anaël, est-ce que tu peux nous parler de chez Cofomo? Oui, absolument. Alors, Cofomo Québec, c'est une entreprise de services conseils dans le domaine des technologies de l'information et en affaires. Nous, on se consacre à l'accélération de la transformation numérique pour nos clients et on est fiers de travailler avec des partenaires de premier rang comme VMware, ServiceNow, Microsoft et AWS. Donc on a décidé de participer à cette initiative de recrutement au Cameroun et au Bénin dans le but d'aller recruter des architectes ServiceNow, des architectes en sécurité et en infrastructure, des spécialistes DevOps, des spécialistes Dynamics 365 et Power Platform, mais aussi des analystes d'affaires et analystes FinOps. Donc on espère avoir la chance de vous rencontrer en janvier 2024. Merci Anna. Merci. Sonia, est-ce que tu peux nous laisser quelques mots à propos de CyberSoin? Oui, bien sûr, avec plaisir, merci beaucoup. Donc, CyberSoin, on est une entreprise de services conseil en cybersécurité dont la mission est de protéger les entreprises contre les pirates informatiques. Alors, on a décidé de participer à la mission de recrutement qui aura lieu au Bénin et au Cameroun en janvier prochain dans le but de recruter des conseillers seniors, donc en gouvernance de sécurité et en architecture de sécurité pour nous aider à remplir cette mission-là. Alors, j'espère vous rencontrer nombreux. Merci beaucoup. Merci Sonia. Vous en savez maintenant plus sur ce que ces trois entreprises ont à vous offrir. Si ces emplois vous intéressent, on vous invite à visiter notre site web et postuler dès maintenant sur québecentête.com. Merci beaucoup, bon succès et au plaisir de vous voir à Douala ou Cotonou.